une chaîne de moto. On va plutôt présenter déjà quand il aura sa moto. Ouais. Faut qu'il apprenne à en conduire. Voilà, on va faire ma première fois en 50. Il a acheté tout l'équipement juste pour monter derrière moi. Non mais c'est parce que j'en aurai lui. On n'en aura pas. Après, après j'ai fait une m'en bats les couilles. J'ai fait une autre vidéo aussi sur le terrain de forge pour montrer. Ah oui, le championnat féminin là de motocross. Féminin mais avec les masculins. Oui. Bah moi j'ai pas fait de maléfique parce que je suis non je rigole. Non mais c'est pas là. Non c'est que je suis partie avant. Voilà donc là c'est la moto à Clara vu que moi j'en ai pas encore hein. C'est une vas-y explique c'est la tienne. C'est une Yamaha DT50X de 2011. Je l'ai. Attends, y a une voiture. Je l'ai. Attends je suis t'es une voiture. Comment tu vois. Je l'ai trouvée sur le bon coin. Ça faisait 6 mois au moins que je cherchais une moto. Que je t'en parlais au collège. En fait une fois c'était vraiment un vendredi, je m'en rappellerai toute ma vie. Un vendredi je fais mamie regarde et tout, j'ai une belle moto. Elle fait ouais c'est vrai qu'elle est jolie. Et ma grand-mère dit bah appelle le gars. J'ai appelé le gars et tout, il m'a dit tout. Le lendemain on allait chercher la moto. Comme ça le lendemain. J'avais pas le BSR, c'était au mois de décembre, le 29 exactement. On l'a pris à midi 12. Mais est-ce que t'as eu des trucs à faire dessus? Ouais, il y avait les joints spi. Il y avait le pneu arrière tout défoncé parce que le mec, je sais pas ce qu'il faisait. Peut-être comme moi dans le cahier. Et aussi, il y avait un truc qui se trimballait dans le pot. Et du coup, j'ai dû mettre 300 euros dedans. Après, tout ce qui est niveau carénage, ils sont un peu usés, mais j'ai les nouveaux chez moi. Et on a racheté, on fera une vidéo avec les nouveaux carénages. Bah, on posera les nouveaux carénages. Ce sera une vidéo rapide hein, parce qu'il y a. Rien de trop intéressant de poser des carénages, mais juste voir le rendu quoi. J'ai été obligée de mettre des rétros, des clignotants, parce que le mec il avait fait ça à l'arrache. Changer la plaque, elle est bien dégueulasse. Arrête! Elle est dégueulasse. 26 euros? 22. 22 euros pour une plaque qui est bien moche. Et ok. Que vous regardez, je vais vous la montrer. Non, non. Et Bon voilà. Mais sinon, je l'ai négocié, elle était à 1000 et elle est à 800. Bah, je l'ai pris à 800. Voilà, voilà. Donc, on va vous faire une présentation de la moto. De la DT50, du coup, XX. Dans une prochaine vidéo. Notre rythme de vidéo, ça sera à peu près une vidéo par semaine pour l'instant. Après, on verra si on a pas mal d'idées, on essaiera deux vidéos. Et ça sera plutôt les mercredis soirs. Bon déjà je vous dis tout de suite, il y aura une vidéo si Timothée il a une moto. Ouais. S'il en a une. Pardon. Là je vais mettre le bip. Bip. voilà. Bah du coup quand j'aurai ma moto, on fera une vidéo où je vais chercher ma moto. Voilà. Mais elle sera pas forcément là. Voilà, en attendant. N'hésitez pas à faire partager la chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter et partager la chaîne et parler à des potes. Certes, vous voyez, c'est là, ça va être notre première vidéo donc ça va pas être top. On fait des vidéos juste avec un téléphone, mais au fur et à mesure du temps, on va essayer d'acheter des GoPro et tout ça. Voilà, si la chaîne fonctionne bien, voilà. Ouais. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ah ouais, likez, abonnez-vous, marque dans la description. Non, c'est pareil. Bientôt. Regardez le pull là. Regardez. Arrête, ne pas te faire de pull. Bon, salut. Allez, salut.